Let's go, on est sur Paris cette fois-ci. Paris, oui, c'est Paris, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Montparnasse. Bon, moi, je suis un peu de Dordogne. Non, je vais récupérer Dordogne. Olivier, Doms, son frère, Candice et sa femme, Nono. Et voilà. Bonjour Paris. Parasitech, attention. Voyons ce que vous avez de nouveau. Je pense que j'y vais en mode incognito, en fait. Hein, donc, on va voir ce que ça peut donner. Et franchement, je préfère le bruit des frelons. Ça fait un bruit. Ça sent pas très bon. Ça sent un peu la fumée du gaz d'échappement de la 504 Peugeot. Voilà. Alors bon, pour quelqu'un qui vient pas souvent dans les grandes villes, c'est toujours assez impressionnant. C'est marrant, il y a plein de genres différents, de gens différents. C'est génial, c'est tout simplement génial. Bon après, à dose homéopathique pour moi, parce que bon, je suis plus... Mais bon, alors, j'ai toujours les rats volants. Hein. C'est les rats volants, pour moi, c'est les pigeons. C'est pas mal, hein. Bon, allez, à tout de suite. Et oui, je tente cet objet du diable, donc trottinette électrique, version que c'est sur Paris quand même, et que ça craint un peu, on va tester. En fait, c'est assez chaud, c'est assez dangereux en fait. Je pense que je vais réussir à me rêcher, en direct devant tout le monde, ce serait pas mal. Donc en gros, ouais, ça speed même pas mal. Bon, bah j'aime bien, hein. Allez, approuvé. Ouais. En fait, on appelle les frelons blancs, on les appelle les Étienne, c'est normal. C'est le seul qui a les cheveux blancs. Hey, attendez. Hey. Franchement, est-ce que vous avez aimé le... Hein? J'ai trouvé ça génial. Regardez. Ça fait pas des reflets. Hein. Hey, franchement. Vous savez que je suis obligé de me teindre. Tous les matins, je me crayonne avec un crayon blanc les poils. Vous avez vu comment je suis... je vieillis. Ouais, je vieillis, j'ai pris du bide. Ah. Le cheveu rare et pauvre. Ayez pitié. Un peu d'argent, s'il vous plaît. Ouais, non, pas d'argent. Les cheveux sont restés dans la commune. L'argent, c'est la merde. Donc surtout pas d'argent. Mais par contre, des billets d'avion. Alors, on va faire un medley. La suite au prochain numéro. Salut les gens. Salut les gens. Et faites gaffe à vous. Enfin, pas trop non plus. Ouais, pousser un coup, pousse deux coups même, non? Ouais, moi aussi, j'aurais fait ça tout à l'heure. Oh putain. Bon, voilà, l'ami LGF qui découvre la capitale. Oh la revoilà. Ah, attention. Voilà Étienne. Voilà vieux. Ah, fais gaffe, je serai devant. Ah, voilà Étienne. Mais là, c'est dérapage Walou. Hein. Bon, le freinage a confirmé. Par contre, la rigolade, confirmée aussi. Tintin, 20 minutes. Eh ben, franchement, c'est pas des rapides. Oh putain, je vais me faire écraser. Alors, Étienne, c'est une belle combi, ça, quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vois, ils ont fait un truc en bas, là, qui redescend. C'est bien. Le mec qui a eu l'idée de faire ça, c'était un mec bien. C'est grâce à toi, non? Ça, c'est un Laurent, ça. Ouais. Bon, Étienne, qu'est-ce que tu penses de la machine, alors? Ça fait usine à gaz. On se connaît. Ah bon? Je t'en regarde souvent à la télé. Ah, merde. Moi? Mais non, je suis en mode incognito. Étienne? Ouais. La petite taupe, là. La petite taupe, elle est morte, la petite taupe. Hein. Elle est pas bien. Et le pigeon aussi, il est pas bien. Le rat volant, il est pas bien aussi. Il a pris cher. Hey, les oiseaux. Ah, des oiseaux. Ah, j'ai vu un micro loin. Non, je plaisante. Bon, et on fait quoi alors? Vas-y, bouge. Ah ouais, mais ça, y a rien qui bouge. Tu vois rien? Ça y est, ouais. Ah, t'as lancé une partie, ça y est. Ah, il faut couper les fruits. Ouais. Coupe. Les fruits, ouais. Franchement, j'ai l'air d'un con. C'est marrant alors, quand même. Hein. Alors, tu l'aimes bien ton jeu? Ouais, j'aime bien. C'est super bien fait, hein. Ah oui? Ah ouais, ouais. T'es vraiment dedans? Ah ouais. C'est génial. Vas-y, essaye. Allez, David. Oh là là. Ça va te changer du montage. Oh, c'est marrant. Oh, voilà. Là, ça fait bien avec le verre de fil. Vous les faites façon vidéo. Ah bah, c'est pas mal, hein. Et ça sert à quoi, autrement? Vous savez ce que c'est qu'un hydrofuge? Un petit peu, ouais. Ah bah. D'accord. Bah ça, c'est un hydrofuge. C'est un hydrofuge. Ouais, mais ça... Franchement, oui.
Ça fait peur, quoi. Hein, regarde. Ah oui. Il n'y a pas de pollution. Ah, il n'y a pas de pollution, on va tout l'avoir. C'est quoi ça? C'est un thermonébulisateur. Ça va bien, ça. Ouais, tiens, comment est le salon alors? Ouais, c'est pas mal. Il y a plein de choses qu'on connaît déjà. Hein. Ouais. Mais bon, il y a plein de choses qui sont sûrement très, très, très bien. Le tout, c'est de pouvoir les essayer, quoi. Et là, c'est pas facile. Ouais, ouais. Parce que les voir dans des salons, ça marche toujours. Mais les voir sur le terrain, des fois, il y a d'autres petits problèmes. Donc bon, après, il y a de quoi tuer une planète entière. Hein, là. Ouais. J'ai pas vu beaucoup de trucs écolo pour l'instant. Bon, on verra. Hein. D'accord. Piège mécanique ou comme ça, ça peut être intéressant. À bon entendeur. Allez, en route pour le train. Et c'est dans le métro alors? Ah, c'est génial. J'attendais ça depuis la nuit des temps. Bon, comment s'est passé le salon? Impeccable. C'était un peu chiant, mais impeccable. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Hein. Non, le frelon n'est pas encore d'actualité. Ouais, ouais, ouais. Bah, vivement qu'on s'y mette. Vivement qu'on s'y mette. Hein. Là, allez, ça y est. Corentin, 4 chuchus. Je sais pas où c'est, Corentin.